Donc à l'époque... 25 000 francs en 1938, mais des francs de 38. Voilà. 25 000 francs à l'époque. 25 000 francs, 38. Ce qui correspondait à 13 000 euros à l'époque en 1938. À peu près, vous avez fait la dizaine. Ah, ouais. D'accord. Ça correspond à 13 000 euros. Oui, mais c'est 25 000 francs, anciens francs encore. Oui, Et les 13 000 euros, c'est pareil, avec 13 000 euros à 38. Donc là, il y a les clapets, là, les fameux clapets, c'est pour laisser passer l'air, hein, c'est ça. C'est pour laisser passer l'air. Pour faire ressortir l'air chaud. D'accord, d'accord, pour pas que ça... Ça stagne autour du moteur. Que ça chauffe le moteur, d'accord. Et ce qui fait aussi son prix, évidemment, parce qu'elle est assez âgée, mais en état impeccable. Et les prix varient de combien à combien, suivant les états à peu près, suivant les états de véhicule, actuellement. Ça varie. Ça varie en fonction du type de véhicule. Vous en avez encore qui étaient encore de 37, encore un poil plus ancien, c'était les 7 chevaux, oui, qui va jusqu'à 25 000 euros. D'accord. Celle-là, elle vaut aux alentours de 22 000. 25 000 euros. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est ça. Ah ouais. Elle est donc plus chère aujourd'hui qu'à l'époque. Bah, j'espère bien. Hein. Elle valait 13 000. Ouais. Ah oui, parce que quand vous parlez, je me souviens un petit peu aussi. Le coffre ne s'ouvrait pas, il fallait passer par l'intérieur. De quoi ? La main arrière. Oui. Elle était factice. Ouais, les premières. C'est la 7, quand vous parlez. Ouais, la 7, ouais. Et pas de ceinture de sécurité, évidemment. Pas de ceinture. Le confort, confortable quand même. Très confortable. Oui. Et pas de phare non plus, parce que j'ai dû rajouter des feux à l'arrière. Ah bon ? Parce qu'en 38, on n'avait qu'un seul feu. Ah bon ? 38, il n'y avait qu'un seul feu ? Qu'un seul feu, celui-là. D'accord. Qui est d'origine, qui est en vert. Celui-là, en vert. Seul, ouais, il est en vert. D'accord. On le trouvait plus en vert. On trouve plus. Non, on le trouve plus. Ouais. Il le reprend, mais il est en plastique. Et vous avez rajouté un feu alors ? Et ici, pour que les gens ils voient derrière. Quand on freine, oui, parce qu'il n'y a pas de clignotant. Il n'y a pas de clignotant ? Non. Ah bon ? Il y avait juste ce petit feu quand on freinait. Alors les gens, faut dire que la circulation, peut-être à cette époque, était moins dense. Hein. Oui, oui. Mais aujourd'hui, les clignotants ne sont pas imposés quand même par la réglementation, non ? Non. Elle n'est pas rétro. Elle est en collection. Ouais. C'est comme pour la ceinture, on n'est pas obligé de l'avoir. Non, pas obligé. Même chose. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on fait Citroën.